J'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau retour de course. Donc aujourd'hui on est samedi, il est midi et je viens de récupérer les courses. Voilà, donc j'en ai eu pour 168 euros je crois. J'avais à la base, j'étais partie pour 178 et il y a pas mal de produits qui étaient manquants. Donc au moment de payer ça a été déduit. Donc voilà, je vous présente ça tout de suite. En surgelé j'ai que deux choses, donc je vous les montre rapidement avant de les mettre au congèle. Donc j'ai pris une poêlée de légumes surgelés de la marque Bio Village, donc c'est la marque repère de Leclerc. Elle est très très bonne, franchement cette poêlée elle est très très bonne. Et pour dépanner un soir quand vous n'avez pas le temps ou un midi avec du riz, c'est juste délicieux. Et on a pris des Häagen-Dazs, voilà, 4 petits pots, ceux-là on les connaît, on les aime plus ou moins bien, ça dépend, voilà. Pour vous dire la vérité, j'avais pris des autres parfums, j'avais pris aux fruits, plus ceux-là, parce qu'on a des invités ce week-end, et je sais pas pourquoi dans la commande, il n'y a que ça qui s'est mis, donc je vais vérifier, mais il me semble que j'ai payé que ça. Par contre j'avais pris des haricots verts surgelés aussi. Donc je les vois pas, donc j'espère que je ne les ai pas réglés. Voilà, je range les deux produits, je vous montre le reste. Donc je continue. J'ai pris des pâtes fraîches, donc c'est des fettuccini aux œufs frais. Je crois que celles-ci, je les ai jamais goûtées. J'ai pour habitude de prendre les tagliatelles, mais elles ont l'air très très bonnes. Donc j'en ai pris deux boîtes, hein. Comme je vous ai dit, on a des invités ce week-end. J'ai pris des avocats prêts à déguster, parce que pour les salades, c'est vraiment tip top. Des bananes bio. C'est 500 grammes, donc ça fait 3 bananes. Voilà, voilà. J'ai pris de la ciboulette pour manger avec les concombres. Du saumon fumé, j'en ai pris deux différents. Ah non, j'ai pris deux fois les mêmes, vous voyez, j'ai hésité. Donc j'ai pris de la marque Repère, du saumon bio. Voilà, 4 tranches, j'en ai 8. C'est pour faire un gratin pommes de terre saumon fumé, c'est délicieux. J'ai pris de la salade et de la mâche. Deux pots de crème fraîche pour les recettes. Deux pâtes à pizza rondes, ça c'est pour les pizzas du samedi soir. Deux pâtes feuilletées, voilà, j'ai pris épaisse, voilà, juste pour goûter. Ça c'est pour faire une tarte tomate mozzarella. J'en ai pris une pour ça et l'autre je ne savais pas encore, mais je me suis dit que j'allais sûrement faire une petite quiche au lardon de volaille. Donc on verra. Une mangue que j'ai payée 1 euro. Des tomates cerises, alors celles-ci c'est des tomates cerises qui viennent de France. Il y a 500 grammes, elles étaient pas chères, j'ai dû payer ça 2 euros et quelques. J'ai voulu en prendre deux boîtes, mais c'était en rupture, donc j'en ai qu'une boîte. C'est déjà ça. Les concombres, bah écoutez, j'ai payé le concombre 99 centimes, c'est des Bio Village. C'était moins cher que la marque, bah pas bio, donc bah, j'étais contente. J'ai pris des cordons bleus végétal pour goûter. Pas sûr que Julien aime, mais j'avais envie d'essayer. Donc des lardons de volaille pour faire la pizza et autre chose. Du blanc de poulet bio pour les purées d'aronne. Des poireaux pour faire du saumon avec des poireaux et du riz. Alors effectivement, j'ai pas de saumon, mais c'est Julien qui va le prendre directement chez Casino. Des radis, puisqu'Alissa a goûté les radis et qu'elle adore. Donc on en a pris. Des yaourts de la marque Bio Village, des fromages frais aux fruits, ceux-là sont délicieux. Donc on les reprend pour nous tous, enfin pour moi et Lily. Des pommes. Et je continue. Alors ensuite, je continue. J'ai pris du fromage râpé parce que j'ai prévu des cannelloni, ricotta, épinards, un gratin de pommes de terre saumon. Donc voilà, il me fallait du fromage râpé. De la sauce tomate spéciale pizza pour nos pizzas parce que celle-ci est vraiment très très bonne. Du coton pour Aaron, voilà. Une bouteille de Coca-Cola, 1 litre parce qu'ils n'avaient pas plus. Tout simplement, ils sont en négociation avec Coca, donc voilà. Des gâteaux pour le petit déjeuner d'Alissa. Je me rends compte que... Ah non. Des gâteaux pour le goûter d'Alissa. De la ricotta pour mes cannelloni, ricotta épinard. De la mayonnaise... Non, de la moutarde. Parce qu'on a quelqu'un qui vient à la maison qui est fan de moutarde. Donc on lui a pris de la moutarde. Du maïs, je me suis pris un mascara, donc celui-ci je ne connais pas, c'est de la marque Je mets Maybelline, donc on verra ce que ça vaut. Un dissolvant main et pieds, puisque j'ai recommencé à mettre du vernis sur mes pieds. De la mayonnaise, fin gourmet, elle est délicieuse, maintenant je ne prends plus que celle-là depuis que je l'ai goûtée. De la sauce tomate basilic pour mes cannelloni. Des petits pains comme ça, ça s'appelle des morissettes, pour faire des petits sandwichs qu'on va manger ce midi avec Alissa. Des pommes de terre. J'ai pris de la confiture, j'ai jamais goûté, de la marque Nos Régions du Talent qui vient du sud-ouest, 65% de fruits. Elle a l'air très bonne, elle est chère mais elle a l'air bonne.
papier de toilette Sopalin, du lait pour Aaron, des chips, du fromage blanc, je me dépêche parce que j'ai pas beaucoup de batterie, du fromage blanc comme d'habitude, des crèmes aux œufs, des oranges pour les jus d'orange du matin, du thon entier à l'huile pour les sandwichs, des yaourts au chocolat pour Alissa, des mousses au chocolat pour nous, des petits pains grillés au froment pour les petits déjeuners, des petits gâteaux spirales au chocolat pour les goûters d'Alissa parce qu'elle en raffole. Il y avait une promo sur les yaourts pour bébé, donc j'en ai pris deux, biscuits et l'autre je crois que c'est semoule, voilà. Des épinards en branche, du reblochon pour notre pizza de ce soir, des compotes Port Williams et des compotes pomme poire mandarine, une compote pomme banane et des compotes fruits du verger, du fromage, je ne vous ai pas montré, pointe de brie pour la pizza de ce soir et bah, pour autre, hein. Et je crois que c'est tout. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle n'aura pas été trop speed, mais en fait il est midi 15 donc il faut que je fasse manger les petits et en plus de ça j'ai plus de place, il me reste 50 secondes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye!